Eh ben salut à tous les amis, c'est GGR, j'espère que vous allez bien. Nouvelle ouverture aujourd'hui d'un coffret Pokémon qui va juste être magnifique. Le coffret de Raichu GX. Il est tellement gros qu'il passe pas dans le cadre. Donc c'est un coffret de Raichu GX de légende brillante. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très très curieux de voir ce qu'on va avoir. Puisque moi je n'ai jamais ouvert de booster de légende brillante. Donc du coup bah c'est l'occasion avec ce magnifique coffret. Regardez même là, la jumbo du Raichu est juste magnifique. Je vais ouvrir le coffret, on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va ouvrir les fameux boosters de légende brillante. Mais juste avant, hop, je vais prendre ma tablette et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette série de légendes brillantes. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette série? Alors déjà, bah il y a des communes pas communes, donc ça c'est moins intéressant. Entei, on va voir dans les ultra rares en GX du coup parce qu'on c'est du Soleil et Lune. On a un petit Raichu, on a des Mewtwo franchement magnifiques. On va regarder un peu plus à la fin, parce qu'à la fin, regardez, il y a des cartes juste magnifiques. Entei Full Art, Mewtwo Full Art, après il y a une dresseur, des arcs-en-ciel et la plus belle carte de la série, regardez-moi celle-là. Si on pourrait la choper, le Mewtwo GX, on a l'impression que c'est un peu une rareté alternative, un peu tellement qu'elle est juste magnifique. Donc voilà, donc on espère choper évidemment de très très belles cartes. J'ouvre le coffret tout de suite et on se retrouve directement. Donc nous revoici pour l'ouverture de ce fameux coffret. Donc en premier le code online, voilà, donc ça c'est pour vous. Le petit jeton du Raichu, regardez comment il brille, il est vraiment super beau. Pareil, je vous ne l'ai pas dit, mais ce coffret est disponible dans les magasins Jouet Club. Donc pour les périodes de Noël, donc du coup il est même, comment on peut le voir dans le catalogue des jouets, voilà, de Noël. Donc la première carte normale du Raichu GX promo est vraiment super belle, vraiment magnifique. On a une petite holographique de Pikachu, voilà. Donc ça ira dans ma collection, dans mon classeur de Pikachu, franchement magnifique. Ce n'est pas une promo, non, c'est marqué 28 sur 73. Donc du coup c'est bien une carte qui vient directement de la série Légende Brillante. Donc du coup bah parfait. Et là même en jumbo, voilà, le Raichu en jumbo. Oh, voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, c'est juste magnifique. Alors maintenant les boosters, donc on en a 5. Alors comme j'ai dit juste avant, je n'ai jamais ouvert de légende brillante, c'est pour ça que je suis vraiment très pressé. Alors en illustration on a Genesect, le Rayquaza, oh, magnifique, Mewtwo, Genesect et Mew. Regarde, vous avez vu un peu ces illustrations, comment elles sont super belles. Je pense que je vais garder quelques boosters vides pour le changer un peu mon décor, en espérant que je les déchire pas trop, voilà. Donc allez c'est parti, on va ouvrir cette fameuse série de légendes brillantes. Je suis vraiment très très pressé de voir ce qu'on va récupérer. Allez c'est parti, premier booster. Alors je vais essayer de pas trop les abîmer. Ouais voilà, du moment que la face est pas trop déchirée, ça passe. Alors, premier code online, voilà. Donc vu que c'est du soleil et lune, faut faire 1, 2, 3, 4. J'espère que je me trompe pas. De toute façon on verra bien en premier booster hein. Alors, énergie fée, Vortante. Alors du coup, c'est une série qui se limite à 73 cartes, plus 2 ou 3 secrètes qu'on a vu juste avant. Electrode, Mustéflotte, Négapi, Pyronille, Chartor, Air Bizarre, franchement super, je découvre une nouvelle série donc j'adore, Zorua. La première reverse, Air Bizarre, la première reverse. Et on va terminer ce booster par Reiko holographique. Wow, super! Alors, si je me trompe pas, il y a minimum une holo par booster. On verra bien. Mais, du coup, la première holographique qui est le petit Reiko. Oh, franchement, magnifique, voilà. Donc, du coup, c'est la deuxième holo vu qu'on a eu le Pikachu dans le coffret. Ok, sympa, ok. Allez, on enchaîne. Deuxième booster. On espère quand même avoir une ultra. C'est le but numéro 1. Hop là. Ça va, pour l'instant, je déchire pas trop les boosters. Hop, le code. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, j'avais bien raison, la manipulation, c'est bien 1, 2, 3, 4. Alors, énergie acier. Pyrax. Pyrax, qui est même pas en rare, qui est une peu commune. Dresseur déplace objet. Spiritomb. Posipi, donc là ils sont tous les deux dans la même illustration. Mistébué, Kaiminus, magnifique, j'adore ce Pokémon. Chartor,
Le Pikachu, du coup, qu'on rentre en normal. Dans le coffret, on a la version holographique, mais là, c'est la version normale de Pikachu. Abo, qui est la reverse. Et on va terminer ce booster par une troisième holographique, du coup, qui est Oupa. Donc, c'est bien ce qui me semblait. On a minimum une holo dans chaque booster. Donc, ça, c'est franchement, c'est top. Il reste plus que 3 boosters, on va faire le Mewtwo. Oh, regardez-moi cette illustration, comment elle est magnifique. Oh, franchement, je kiffe. Alors, est-ce qu'on va avoir une carte brillante? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les cartes brillantes, du coup, c'est l'équivalent des shiny. Voilà. Donc, si on a, par exemple, un Rayquaza, ou je crois qu'il y a logiquement Rayquaza en shiny, ce sera Rayquaza brillant. Alors, énergie feu, dégâts, Tilly, qu'on retrouve dans Soleil et Lune, carte échange, Gringolem, Zorua, Chakripan, Flamiaou, starter feu de Soleil et Lune, Voltorb, franchement très belle avec le coucher de soleil, Chartor, c'est la reverse, et on va terminer ce booster par ça va être une petite solo qui va être Marshadow. Ok, donc pour l'instant pas d'ultra rare, on a eu que 2 holos, ils sont peut-être vraiment durs à choper, je sais pas trop. Donc il reste plus que 2 boosters déjà, le Rayquaza et le Mew. Allez, c'est parti. Donc là je suis un peu plus lent, vu que je voudrais conserver les boosters dans un bon état, on va dire. Allez, avant-dernier booster, est-ce qu'on va avoir une ultra? Réponse dans quelques instants. Allez, énergie fée alligatoire, qui est une peu commune. Bon, c'est même pas une rare, ouais, c'est assez étonnant. Énergie de distorsion, récupération d'énergie, Quillfish, Chartor, Negapi, Lipoutou, Herbizarre, qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Donc là, en reverse, on a énergie de distorsion. Et on va finir ce booster par une ultra, attention, est-ce que c'est une full art? Ouh, génial, Mewtwo GX, waouh! Donc c'est pas la version full art, mais ça reste quand même une Mewtwo GX qui est juste magnifique, regardez-moi ça, avec son attaque, là, une sorte de boule d'énergie, là. Oh bah super, franchement, je suis très content, la première ultra qui tombe pour moi de Légende Brillante, magnifique! Et on va terminer ce booster, cette vidéo, par le dernier booster de Mew. Est-ce qu'on va avoir encore une belle ultra? Oh, par contre, celui-là, ce booster-là, il s'est ouvert super facilement. Hop, le dernier code online qui est pour vous. 1, 2, 3, 4. Et dernier booster, du coup, pour cette vidéo. Donc là, vous avez vu que je suis un peu plus posé, je trouve, je prends mon temps. Énergie acier, Bagaïde, Tilly, énergie de distorsion. Pyronie, Chakripan, Crocodile, le Pikachu qu'on a eu plusieurs fois, Abo, Lipoutou en reverse, et on va terminer cette vidéo par... Ce sera une petite holo, fond bleu, du coup ça va être qui? Ça va être Keldeo en holographique, ok, sympa, c'est quand même plutôt cool d'avoir minimum une holo par série, voilà. Donc ça y est, on a fini cette vidéo d'ouverture du le coffret Raichu, voilà. Donc une petite GX et que des holos, c'est pas extraordinaire comme quota, on n'a pas eu de Pokémon Shiny, des Pokémon brillants, voilà, mais quand même ça reste quand même une superbe ouverture, et du coup c'est l'occasion pour moi de découvrir une nouvelle série. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Mettez un gros pouce bleu pour me soutenir en bas de la vidéo, un petit commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve mercredi prochain parce qu'il y a un deuxième coffret Légende Brillante qui arrive mercredi prochain. Pour ma part, je vais tourner la vidéo juste après, mais vous la verrez mercredi prochain. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième coffret de Légende Brillante. Allez, ciao.